Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de notre série du défi des 28 jours. Alors on est sorti un petit peu de notre environnement habituel pour venir ici sur la place de Limoux dans le département de l'Aude et dans la sous-préfecture, dans cette sous-préfecture Limoux, sur la place du village pour découvrir aujourd'hui ce carnaval qui est en fait le plus grand carnaval du monde. Il faut savoir que ce carnaval s'est inscrit dans le patrimoine culturel immatériel depuis 2012. L'histoire est très simple, c'est l'histoire des meuniers qui, je crois que ça doit être au 14e siècle, après avoir fait leur récolte, venaient s'amuser, venaient se régaler sur la place en jetant directement des dragées et de la farine sur les habitants pour faire la fête en réalité. Et aujourd'hui, c'est remplacé par des confettis. Et ce carnaval, qui est donc le plus long du monde, il regroupe chaque mercredi et chaque dimanche un ensemble de carnavaliers, un ensemble d'équipes, de formations qui viennent ici présenter leurs costumes à travers une festivité. Et ils viennent ici s'amuser à travers la place. Regardez, hop, on voit ici donc un carnavalier, voilà, ici. Alors, tout à l'heure, il y avait de la musique. J'ai essayé de tourner dans les conditions de direct avec effectivement les carnavaliers, les musiciens, etc. Mais honnêtement, au niveau du son, c'était pas bon du tout. Alors, pour l'heure, je crois que la mission est remplie. J'ai fait cette nouvelle vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo avec peut-être un petit peu plus d'inspiration. Allez, ciao, ciao, à demain.